Alors l'ILIAD, c'est le Learning Center de l'Université de Lille Sciences et Technologies qui a ouvert le 7 septembre 2016. C'est une extension, une transformation, extension de la bibliothèque universitaire centrale de l'université qui a ouvert avec trois pôles. Un pôle bibliothèque augmentée avec des espaces confortables, des espaces détente, des salles de travail en groupe, des prises électriques pour pouvoir travailler toute la journée, du Wi-Fi, des fauteuils. Et puis c'est par ailleurs deux autres pôles, Xperium, qui est un espace de valorisation de la recherche scientifique. Et enfin, l'ILIAS, c'est un troisième pôle qui est un pôle événementiel qui a vocation à accueillir à la fois une programmation scientifique autour de la thématique de l'innovation, entre le monde socio-économique, les entrepreneurs, les enseignants-chercheurs, et également à accueillir toute une programmation de colloques, de congrès, de journées d'études portées par les scientifiques de l'université. Le projet l'ILIAD a été monté avec l'aide des politiques. Les politiques ont été très importants dans le montage du projet l'ILIAD, notamment le conseil régional. Le conseil régional, anciennement Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui Hauts-de-France, a porté un projet de réseau de Learning Center à l'échelle de la région Nord-Pas-de-Calais. Le rôle du conseil régional était vraiment prégnant, c'est plus de 50% des financements apportés par la région pour ce projet-là. Par ailleurs, la métropole européenne de Lille a joué également un rôle très important en apportant également une contribution financière à hauteur de 5 millions d'euros. Également l'Europe et puis enfin l'État.